It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Bonjour et bienvenue, je suis Woman on Tour, globetrotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement que la question du changement est une problématique dans votre vie. Vous aimeriez mieux vivre le changement. Ça peut être un déménagement, un changement de service, un changement de poste en entreprise, peut-être aussi la perte d'une amie qui vous est chère dans votre entourage. Comment faire pour bien vivre le changement? Des fois, sans qu'on sache pourquoi, ça crée des souffrances et la souffrance s'installe et dure dans le temps. Et après, c'est très difficile de s'en sortir. On aimerait bien, hein, finalement, que le changement se fasse avec agilité, souplesse, et que ce soit toujours vers un mieux, hein, vers une joie de vivre. Eh bien, je suis d'accord avec vous et si je vous en parle, c'est parce que je suis aussi une grande adepte dans ma vie des grands changements. J'ai déménagé au moins 8 fois dans ma vie, pas toujours dans la facilité. Lors de mon dernier voyage, qui est un voyage autour du monde, quasiment tous les 5 jours, je devais changer de ville. Alors là, pour une question de changement, on peut dire que je m'y suis clairement frottée. Alors aujourd'hui, c'est force de toutes ces expériences que j'aimerais partager avec vous 3 points clés qui pourraient vous aider à vivre le changement avec souplesse et agilité pour que ça se passe bien, dans une bonne transition, que la transition se passe merveilleusement bien. Alors quels sont ces 3 points clés que je vous partage sans plus tarder? Le premier point clé va vous paraître un petit peu facile à dire et pourtant je vous assure que si vous arrivez à capter le message et à le vivre intérieurement, là est vraiment un point clé de libération dans votre vie. En fait, c'est prendre en considération que dans le monde, tout est impermanence. Il y a de l'impermanence en toute chose autour de nous, que ce soit par exemple dans les saisons. Les saisons changent. Les journées passent du soleil à la nuit, de la nuit au soleil. Les civilisations évoluent, les civilisations changent, parfois disparaissent. Il y a de nombreux changements. Et en fait, c'est une notion bouddhiste qui permet en fait de se détacher de ce qui nous entoure. Alors vous allez me dire, ça, c'est un petit peu facile et je vous l'accorde. Mais à partir du moment où vous êtes détaché des choses qui vous entourent spirituellement et que vous acceptez que tout soit en mouvement autour de vous, que tout soit amené à évoluer, à changer, à partir de là, vous ne créez plus de la souffrance. Vous laissez aller en douceur. Alors, c'est pas évident à habiter cette notion au fond de soi, mais c'est le point clé fondamental pour laisser aller les choses. Combien de fois il m'est arrivé, moi-même, de vivre des situations où j'étais profondément triste de perdre une amie, de changer de cadre qui me plaisait. Quand j'étais en voyage, des fois je me sentais profondément bien à un endroit, j'étais appelée à aller à la destination suivante et je ressentais quand même une profonde tristesse à quitter l'endroit où j'étais. Tout simplement, moi je me raccroche à cette idée que la vie est un perpétuel mouvement. Alors laissez-vous porter par ce mouvement, un petit peu comme si vous étiez dans un bus à regarder le paysage. Il y a l'instant T, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans ce bus. Des fois, vous changez de bus, il y a d'autres personnes qui vous entourent et le paysage change tout le temps. Alors le deuxième point clé, c'est de vous ouvrir totalement à la nouveauté. Dans le changement, que ce soit en entreprise ou dans un déménagement, quand vous changez de ville, de situation, ou quand il y a des changements d'amitié qui se font autour de vous, on a tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît. Et c'est normal. C'est l'instinct de sécurité, hein, de l'être humain. Et pourtant, une façon de passer en douceur le changement, c'est totalement s'ouvrir à tout ce qui est possible, aux opportunités, au hasard, de vous donner cette chance de tester de nouvelles choses. Je me souviens quand j'ai quitté Paris et que je suis allée vivre en province, j'ai cherché à retrouver dans ma nouvelle situation provinciale les mêmes loisirs que j'avais à Paris. Et bien évidemment, j'ai cherché et je ne trouvais pas la bonne équation de ce que je voulais, forcément. Et je me suis accrochée avec échec à ruminer et à râler sur ma nouvelle situation et bien sûr sur mon environnement en l'accusant d'être la cause de mes souffrances. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar et cette personne, en discutant, me disait qu'elle était membre d'un club de danse latine. Et je me suis dit, tiens, ça peut être quelque chose qui peut m'intéresser. Et effectivement, à partir de là, je me suis créé un réseau, j'ai découvert une nouvelle passion et ça a complètement absorbé ma vie. Ça a complètement rempli ma vie d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle passion. Et l'idée, en fait, c'est que vous avez une façon de vivre à un instant T, un endroit, et si vous en changez, ça peut complètement changer la donne. Ouvrez-vous à cela. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous plaisait que vous ne pouvez pas trouver autre chose qui vous plaira davantage. Abandonner l'un ne veut pas dire que vous l'abandonnerez pour toute votre vie. Laissez aller. Ouvrez-vous, visez large. Alors le point numéro 3, qui sera donc notre dernier point, c'est de vivre dans l'instant présent.
Le gros risque, l'habitude que nous avons tous, c'est de vivre avec des jumelles en regardant le passé, donc de vivre avec un rétroviseur en regardant le passé et de porter aussi des jumelles pour regarder le futur. Vivez l'instant présent totalement, observez, soyez en conscience, comme on dit, dans l'instant présent et vous verrez que ça donnera une nouvelle saveur à votre vie. Alors voilà mes amis, les trois points clés. Peut-être j'ajouterai une dernière chose en bonus. Pour vous, quand il y a du changement autour de soi, il est souvent probable que l'on perde confiance en soi et qu'on devienne très dur avec soi-même. On finit par se dire qu'on est nul et qu'on ne fait pas assez bien ci, pas assez bien ça, et notamment potentiellement dans un changement aussi de poste en entreprise, un changement de service, tous ces changements qui dans la vie vous brassent. Alors on devient dur avec soi-même. Et j'ai envie de vous dire, soyez bienveillant justement avec vous-même, prenez soin de vous dans le cadre de ces changements et parlez-vous comme à un enfant. Si vous avez votre enfant et qu'il va dans une nouvelle école, certainement que se faire de nouveaux amis n'est pas toujours évident, changer de cadre n'est pas toujours évident. Considérez-vous comme votre propre enfant et soyez gentil avec vous-même. Voilà mes amis, quels sont les grands changements que vous vivez en ce moment dans vos vies? Partagez-nous vos histoires en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. Et puis si vous avez des réactions, n'hésitez pas à vos commentaires, prêt? Partez. Quant à moi, je vous dis bravo hein, de faire partie de ces personnes qui ont le courage de faire ce voyage intérieur, l'audace de croire que tout est possible et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous retrouve à la maison womanontour.com, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Bye bye.